Salut les moelleux et les moelleuses et bienvenue pour ce 46e épisode sur l'aventure Skyrim. Donc qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois? Donc la dernière fois on avait continué la quête principale qui nous a amené à aller chercher un parchemin des anciens dans un lieu. J'ai plus le nom. Dans Griffe Noire, c'est bon. Et du coup d'aller affronter une première fois Alduin qui est parti en raid. Alduin est parti en raid avec ses petits ailes de la destruction. Et bonsoir Eri, merci beaucoup pour ton raid, j'espère que tu vas bien. Depuis tout à l'heure, et oui, merci beaucoup, des gros poutous sur toi. Et du coup, donc la dernière fois, on a été voir Alduin, on l'a combattu, il a fait gna 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 gna, tu m'as battu, je pars à Sovngarde, je parle dans le domaine des dieux, voilà, au Valhalla, comme dit Klein, me ressourcer. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher ce petit coquin, on va aller chercher, mais il nous faut de l'aide pour ça. Du coup, merci d'avoir cliqué sur la vidéo, des gros poutous sur vos faisceaux, et on se lance. Et bonsoir. Les Raiders, bonsoir à vous. Donc, on a le choix entre parler à Partutu, le sang de la veine, à Hargnir, le sang de la verne, et à Esbern, le vieux crouton. Donc, on a trois choix. Je vais vous laisser choisir. Est-ce qu'on va parler à Parturnax? Est-ce qu'on va parler à Hargnir ou on va parler à Esbern? En sachant que Parturnax et Hargnir, ça se ressemble un peu, Esbern, on a une quête spéciale. Mais, il y a un mais, voilà, c'est vous qui choisissez. Pour l'instant, on a deux Parturnax, deux Parturnax, qui dit mieux? La pêche n'est pas comptabilisée là-dedans. Deux Parturnax, une pêche, qui dit mieux? Qui dit mieux? Une cerise, qui dit mieux? C'est ça pour en cacahuète. Tu pourrais ajouter un compteur de ref à clignoter sur ton stream, genre comme sur les morts ER. Il y en aurait trop, il y en aurait trop, il y en aurait bien trop, mais je te cite derrière. Donc est-ce que c'est pas mieux? Donc on reste sur Partutu. Partutu 1, Partutu 2, Partutu 3, adjugé, on parle à Partutu. Lord Kongra, vous avez réellement allez, la banane. Voix dans Dova. Après une telle victoire, je remets les sous-titres après, hein, désolé. Les alliés d'Alduin réfléchiront. C'était pour le livre audio. Il faut que je découvre où Alduin est parti. Bah, tu vas me le dire, hein, mon petit chéri, mon petit père. Oui, là. Ses alliés le savent probablement. Motmahous. Il m'a insulté en dragonique. Mais je doute qu'il se laisse facilement convaincre de le trahir. Ouais, c'est vrai que... Peut-être Ofkaseyun, le palais de Blancherive, fort dragon. Il a été bâti à l'origine pour emprisonner un Dova. Ce serait l'endroit idéal où piéger l'un des alliés d'Alduin, non? Je sais plus, c'est Numinex, je crois, qui se fait capturer à Fort Dragon. Tu me fais rire, Klein. oui, GG pour les 600 moules, merci Klein, et merci à vous, surtout, merci YouTube pour les 600, abonnements, je vous remercie énormément. J'ai mis un petit message hein, pour vous remercier dans l'onglet communauté, et contente et reconnaissante. Reconnaissante, je suis reconnaissante pour vous et je suis contente que vous soyez. Je suis nulle pour les remerciements, mais en tout cas, merci. C'était naze. C'est possible. Mais votre sou-oum est puissant. Mon sou-oum? Je suis persuadé. Parce qu'il a un petit. Il y a un petit feu sur la langue. Il n'a pas de cheveux. Oui. C'était il y a bien longtemps. Je lui rendais visite de temps en temps. D'accord. Cet isolement forcé l'avait presque rendu fou. Bah, je m'étonne. Tirasivas. Il avait même oublié son propre nom. J'ignore comment il s'est fait capturer. Mais le Brognon, le Jarl... Non, il a dit le Brugnon, hein, c'est un fou. ...était très fier de son animal de compagnie. Park. Depuis... Le Ofkaseyun est connu sous le nom de Fort Dragon. C'est un peu triste, c'est un peu triste. Sous-oum et salut le Guise, comment ça va? Bon, du coup, on va remettre hein, les petits... bah oui, parce que quand je fais les livres audio, bien sûr, t'as tout le monde qui vient me parler à ce moment-là, donc ça gâche un petit peu le visuel, si vous voulez. Hein? Donc c'est bon là, merci
mon petit poteau, on va aller voir le Jarl de Blancherive. Du coup, c'est vrai qu'on n'est pas retourné voir le Jarl depuis la fin de la quête de la guerre civile. Donc on va aller voir ce que ça donne. Et dans tous les cas, tout va se précipiter. Hein. Parce que, enfin, on est censé avoir une phase avec le truc de la guerre civile, tout ça, mais nous, comme on a fini, ça va plus vite. Salut Isolda, qu'est-ce que tu fais avec ton petit panier de fleurs? Hein? Hein? On sait que tu prends du skooma, hein? T'as les yeux rouges. Oh, c'est jeune. C'est jeune et la drogue. La drogue, c'est mal, les enfants. Surtout le skooma. Même si on a une petite recette de pot-au-feu au sucre lune. Véridique. On va prendre ta quête à toi après. Ok? Another wanderer here to lick my father's boots. Ah, il est bilingue. Salut, petit bonhomme! Comment ça va, Cotruf? Ça va? On me fait plus la gueule? Non? Tout le monde va bien? Allez. Puisse les dieux veiller sur vous au cours de vos batailles. Y'a pas de soucis, je peux louer le fort dragon? J'ai du mal entendre. J'ai compris que vous vouliez que je vous aide à piéger un dragon dans mon palais. Tu me dois bien ça, en vrai. Je suis désolé, c'est impossible. Oh, mais je l'avais persuadé pourtant. Continuer à combattre les dragons du mieux que nous pouvons. Si, si, mais je force. Je suis désolé, je force. Ce que vous demandez, c'est de la démence. C'est impossible. Non, c'est scripté. Accepterais-je de laisser un dragon entrer au cœur de ma ville après avoir tant lutté pour les repousser? Mais il y a juste 2-3 gardes qui vont être mangés, ça va, il y a pire. Le risque est trop grand. Il doit y avoir un autre moyen. Non. Le dévoreur de monde en personne? Mais comment le combattre? T'inquiète, je m'en occupe. Son retour ne marque-t-il pas la fin des temps? Mais non, arrête! Oh, c'est... En vrai, là, ça fait vraiment pompeux en mode « Je suis l'élu. Bienvenue. Ça, c'est vraiment... Non, malheureux, c'est sans espoir si vous les sont tombés. Alors que ça... vrai nordique. J'ai l'intention de mourir en combat. Et vous? Ça c'est bien, ça c'est punchy, c'est catchy, c'est bien. Voilà qui est digne des Nordiques. Voilà. Je serai à vos côtés, enfant de dragon. Vous avez c'est vraiment bien, l'intention de piéger un dragon dans mon palais? C'est insensé. T'as deux discours totalement opposés, hein. Mais c'est pas grave, on va dire que ça va. Dans ce cas, Blancherive sera derrière vous, enfant de dragon. Nous prendrons le risque ainsi que la gloire, que ce soit dans la victoire ou la défaite. Bah c'est gentil, alors, merci. Quel est votre plan? Comment comptez-vous attirer un dragon? Roll the cheese! Eh ben, écoute, apparemment, en lançant un fromage, et les fromages attirent les dragons, c'est bien connu! Le dragon du fromage! Salut, Lucky! Comment va? Oh, dans ce cas, je vous laisse vous en charger. C'est sûrement mieux ainsi. Ça me laissera le temps de vérifier que ce vieux piège fonctionne toujours, et d'annoncer la nouvelle à mes hommes. Ah ouais. Bon, j'y vais. Si cela ne vous dérange pas, j'ai une ville à garder. Oui, bah moi aussi j'ai des trucs à faire, donc hein. Faut un petit peu arrêter de penser qu'à sa petite gueule, hein. La guerre est visiblement déjà finie. Ah oui, oui, c'est fini, ça c'est bon. Ça c'est bon. Là vraiment, on est sur une... Pas une fin, mais je pense qu'en vrai, la semaine prochaine, il y a moyen qu'on ait fini la quête principale. Mais vous inquiétez pas, on aura encore plein de trucs à faire. Oh oui! Oh oui, mes petits amis! On a les DLC, on a les quêtes annexes, on n'a pas fini. On va à Havreciel, qui est très beau. C'est très beau tout ça. Bonjour en faisant un frozen cheese. Ah bah oui, oui, au moins. Et d'ailleurs, je jette le fromage. Bah ça, c'est marrant. Ah, c'est marrant. Ah, elle m'a tapé. Oh non. Moi qui pensais que nous étions faits l'un pour l'autre, comme les chats. Si on ne commence pas la guerre, il y a une quête qui s'enclenche. Oui, j'ai déjà fait sans... Bon, ça te pousse quand même. On s'en fout. Par contre, vous êtes plutôt team armure d'acier avec les épaulettes ou sans les épaulettes? Moi, je suis 100% pour les épaulettes. Voilà, c'est dit. Je prends parti. Skyrim, c'est infini. Et oui. Et oui. Et je veux garder ça. Avec. Et ben on est d'accord. Ben on dirait qu'il manque un truc sans les épaulettes. On dirait la froid. Petite soirée pizza making avec mon petit frère. Oh, en vrai.
Pas mal. Moi, c'est demain, comme tous les samedis. Il manque les épaules. Oui, Klein, sans doute. Un banquet! Volé à qui? Mais qui a mis la table? C'est SB? Ah non, mais ils sont installés là, installés quoi! Ah oui! Ah bah oui, il s'est fait un petit service de. Allez, petite épée des lames. Comment ça voler, mon ref? Mais je pensais que vous étiez avec moi en fait. Là, je suis déçue. Ah oui, il s'est fait une petite table. Petit atlas des dragons. Des dragons, j'ai failli dire. Comme le chat qui a un accent français là. Sans les épaulettes, ça fait débardeur. C'est vrai. C'est pas Delphine qui va mettre la table. Non, non, mais Delphine. Oh là là. Oh la tentation de faire un fausse roda. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ah si si. Ah si si si. Ah si. Ah si. C'est obligé. Fausse roda! Sur l'horizon, au milieu des nuages délimitants. Oh, déçu. En plus, ils sont pas vexés. Ils sont pas rancuniers, hein. Aurait pu être un éclair, mais il n'y avait pas de tonnerre. Donc, mange la terre, Delphine! Delphine, personnage le plus détesté dans Skyrim. Puis il est revenu, cette fois plus distant. Il ne s'agissait plus d'éclairs, c'était orange. Il a dit il ne s'agissait plus d'éclairs, j'ai entendu autre chose, moi. D'un certain dictateur allemand. J'allais dire qu'est-ce que ça fait là. À la fois distinct et indistinct. Pas le tonnerre. Ah, toi aussi, Laki. J'aurais pu le reconnaître, mais dans ce rêve, ça m'était impossible. Je veux quitter mon perchoir, chercher refuge. Oui, c'est la veuve de. Exactement, Klein. De quoi je n'en sais rien. T'as fumé, coussin? Comme toujours dans les rêves, impossible de fuir. Non. Je suis contraint d'attendre et d'observer. Enfin, je réalise. Delphine, elle n'ose pas l'interrompre. Il est tout seul. Chaud. Le son. Ah, mais il raconte son rêve, d'accord. Défie dans leur langue ancienne. Maintenant, il est trop tard pour s'enfuir. Le dragon est là. Le feu et l'obscurité tombent à la vitesse de l'éclair. Et pas n'importe quel dragon, mais le dragon, Alduin, le dévoreur de monde, lumière. Celui qui dévore les vivants comme les morts. Et puis je me réveillais, en espérant qu'il ne s'agissait que d'un rêve. Mais je savais qu'il n'en était rien. Encore je crains une que chose, la situation nous connaissons ne soit grave. Arthur Max. J'ai découvert Encore l'identité une chose, du véritable nous connaissons chef Arthur Vous êtes trop près. Tant mieux. Nous avions besoin de son aide, mais plus maintenant. Il est grand temps qu'il paie pour ses crimes. Non, Delphine! Ce n'est pas n'importe quel dragon. Il était le plus fidèle serviteur d'Alduin. Le passé, c'est le passé! Il a commis des atrocités qui ne sont. Il faut qu'il meure. Il mérite de mourir. Tant qu'il n'est pas mort. Eh bien. Désolé. Non! Mais nous violerions le serment de l'âme si nous continuions à vous aider. Nazim, oui, Nazim aussi, le guide. Si vous savez, après chaque stream, Nivit et Coussin s'enfument le crâne avec un gros. Quoi? Banque Skyrim et dépense votre argent. C'est si faux, Klein! C'est si faux! Kaku, kaku! As, comment vas-tu? Ouais, je suis assez d'accord avec le terme employé, Apollyon. Ouais, la ferme Delphine, ouais, vilaine Delphine. Allez, Delphine, elle prend tarif. Plot twist, Pertinax ne va pas être tué par Coussin. Deux personnes vont le remplacer, Delphine et Nazim. Mais je veux pas tuer Parturnax. Faites votre choix, enfant de dragon. Vous êtes avec nous ou contre nous? Ah, mais contre vous. En résumé, voilà pourquoi. Il a aidé Alduin à asservir nos hommes. Nous ne pouvons pas laisser à Parturnax l'occasion de nous trahir à notre tour et de redevenir fidèle à son vieux... C'est quoi le Talmor, tu sais, après 46 épisodes? Au fait, c'est quoi les elfes? Bonsoir les jeunes, le vieux débris a fini de vérifier s'il a toujours le dentier et la couche en place. Salut Targan! Il va pas l'oublier l'histoire du vieux débris.
Le son des voix est un peu faible. Mais ça, c'est Skyrim, c'est parce que elle m'a parlé de trop loin, si tu veux. Par contre, si je la colle... Nous n'avons rien à nous dire tant que Parthurnax est vivant. Voilà, tu vois, quand elle fait la gueule, on l'entend bien. Coussin dans The Witcher ne veut pas tuer des gens pour l'argent. Coussin sur Skyrim ne veut pas tuer les dragons. Non, je veux pas tuer ce dragon. Avec nous, contre nous, je crois que la question est vite répondue. Ah mais clairement. Clairmeng. Yo vieux. Ah mais en plus je crois qu'on ne peut pas... Qu'on ne peut pas faire sans le zigoui, le pauvre Partutu. Ou bien on peut juste abandonner la quête là et poursuivre... poursuivre tranquillement. Moi je veux pas le suivre. Hein. Vous mettez 46 trucs là. Hein. On entend très faiblement le son des dialogues. Je sais même pas si je peux le gérer ça. Je crois que c'était un truc qui était reproché en plus. Non regarde, c'est à fond. C'est vraiment à fond. Bah vous êtes là vous. On débloque pas le reste des lames, ouais, c'est ça. Tu pourrais attendre. Bon, la team vieux, la team vieux. Sinon, on monte le son du jeu et baisse tout le reste. Ouais, je peux faire ça. Je peux faire ça. Attendez, ne bougez pas. Ah, la musique, c'est vrai qu'on entend bien. On va baisser les effets. On va baisser les pas. Et attendez, j'arrive. Je vais le tab. Alors, est-ce que c'est bon ou trop fort? Vous allez me dire quand il va parler, le petit Partutu. Dremyolok. Salutations. Après lui, il a une voix qui porte. C'est bien possible. Il se trouve que j'ai moi-même réfléchi à ce big problème. Brain. L'Ingramora. J'ai goûté la voix des alliés d'Alduin dans le vent. Pogan Nahlas, Vokriwa Djun. Je me souviens particulièrement bien de l'un d'entre eux, Odaving. C'est lui qui nous dira où se trouve Alduin. Je pensais que c'était une femelle, Odaving. Parce que son nom, c'est chasseuse ailée dans la neige ou quelque chose comme ça. Tu es allé à Solstheim? Non, pas encore là, qui on le fera après ça, les DLC. Ah. J'oublie que vous savez si peu sur les doves. Nos noms sont toujours composés de trois Rotmoulag, trois mots de puissance. Bah Rotmoul, Rotmoul mon frère. Prenez mon nom par exemple. Parthurnax. Un Tuum, un cri. Vous voyez. Il va nous donner la traduction parce que c'est tyran quelque chose. Hein. Il rigole pas Parthurnax en vrai. Hein. C'était vraiment un... Un pas gentil, gentil dragon, hein, à la base. Rien ne l'oblige à venir. Mais les doves sont des créatures très fières. Rares sont ceux qui dédaigneraient un tel défi. Surtout s'il vient de vous, Dovahkiin. Mais Odaving, il est... impétueux. Bozik. Tous les doves savent qu'il a tendance à agir sans réfléchir. Oui, bah c'est un héros de shonen, quoi. Il ne résistera pas au défi de votre voix, Dovahkiin. Il viendra. Tendez l'oreille. Son nom est Odaving. Écoutez-le dans le vent. Odaving. Sentez-le dans votre soum. Odaving. Elle me crie pas dessus par contre, je suis facilement impressionnable. Bon, on a le cri, on peut l'appeler. Et bonsoir Sandra, comment vas-tu?
Je ne dirais pas qu'il était un mauvais dragon, c'était juste un dragon, d'où sa puissance et le respect qu'il inspire aux autres. Non, non, il était vraiment tyrannique. C'est Parthurnax, il a effectivement soumis les hommes à la volonté d'Alduin. C'était un tyran et il est extrêmement avide de pouvoir. Il voulait même prendre la place d'Alduin à la base. Et après, il est parti méditer dans la montagne. Et ça, ça lui a fait du bien. Ça l'a calmé, quoi. Ça l'a calmé. On pourrait s'interroger sur le fait que ça l'a calmé dans la mesure où il a choisi de fonder l'ordre des Grises Barbes et d'en être à la tête. Donc, encore une fois, un poste... à la recherche quand même de puissance et de soumission de certaines personnes. Il y a un caractère qui lui est propre, quoi. Mais ça fait plaisir de te retrouver aussi, Targon, hein, vraiment. En VF, c'est le Soum. Non, c'est le Toum, c'est juste que Isozot Parthurnax. C'est comme si tu disais que les chats sont méchants de tuer des souris. Bah, les chats sont pas méchants de tuer les souris, par contre ils pourraient faire en sorte de pas jouer avec la vie et pas les manger après. Tu vois ce que je veux dire? Bah, les dragons c'est un petit peu pareil avec les hommes. Sauf que eux ils ont l'intelligence, le langage et... Enfin l'intelligence, les chalons, mais pas le langage et la compréhension des sentiments complexes. Donc là où Partutu, c'est un petit filou quoi. Ah, tu connais pas Skyrim, Sandra? Bah écoute, si l'aventure The Witcher ça te plaît, en vrai, ça devrait te plaire. Puis là, on va faire un truc épique. Donc, est-ce que je suis stuffée pour, cependant? Normalement, oui. Hein. Je vais mettre mon arbalète tout de suite. Selon ta vision du bien, oui, pas par rapport... Ah oui, par rapport au dragon, effectivement. Effectivement. Épique et collégramme. Un truc épique. Oui, un truc épique, mais décidément. Il faut que j'ouvre l'œil. Ces satanés dragons pourraient nous fondre dessus à tout moment. On t'imagine même pas, mon petit coquin. T'imagines même pas. C'est vrai que je dis que c'était pas un méchant. Oui, oui, oui. Attention, malgré tout ça, Parthurnax est l'un des personnages les plus aimés de Skyrim. Moi y compris, hein, je l'aime beaucoup, Parthurnax. C'est pour ça que j'ai pas envie qu'il passe là à ma gauche. Repose la meule, on t'a dit de la poser. Mais non. C'était ma meule. Je la récupérerai plus tard. Bonjour. Encore une fois, je suis perdue. Hey, tu dors? Hé! Hey. Hé! Nous sommes prêts, enfants de dragon. Oui. Comme promis, mes hommes se tiennent prêts. Les grandes chaînes ont été huilées. Nous attendons votre signal. Trop prêts. Nous avons un dragon à capturer. Mes hommes savent ce qu'ils ont à faire. Jouez votre rôle au mieux. Il se réveille aussi vite que moi le matin. Non, et en plus, il est pas ronchon. Moi, je serais ronchonne, hein, on me réveille en disant hey, « Hé, c'est bon !» Non ! Je ne te laisserai pas la récupérer, coussin. Mais ma meule ! Mes meules ! Toutes ces meules que tu ne m'autorises pas à toucher. À attraper, à conserver, rien que pour moi. Mes meules ! Il y a un plan pour attirer un dragon jusqu'ici, pas vrai ? Oui, mais par contre, j'aimerais bien le faire deux jours. Si c'est pas trop vous demander. Moi j'aime bien quand il fait jour. Il faut autant de me réveiller, puis on me parle pas avant le café. En plus, t'as récupéré une meule entière et drop une, il manque une part. Il voit tout, hein. Il voit tout, hein. On peut pas le tromper, hein. Bon. Appelez au Daving. Alors, toi mon petit bonhomme, j'espère que t'as ni femme ni enfant. Finissons-en. Ah bah, c'est... Aïe aïe aïe, on lui dit ou pas? Bah, il y en a un qui est là-bas, en fait. On peut pas l'appeler lui, et puis... Eh oh! Eh? Non, on peut pas... Non, je peux pas aller... Je peux pas sauter. Ah, Havre Ciel qui est là-bas. Magnifique. Allez-y. Appelez-le, votre dragon. On est prêt. Appelez-le, votre dragon. On dirait que c'est le mien. On dirait vraiment, je l'ai... C'est mon petit bébé, quoi. Depuis l'œuf. Depuis tout petit, déjà. Allié draconique, neige chasseur et...
Et bonsoir, Plumneux. Comment vas-tu? J'espère bien. On part sur le skaka, sur le rilim. Faster, stronger, smarter. Trop dommage que la quête principale de ce game soit si... En vrai, ouais, clairement. Comparé à toutes les petites quêtes secondaires, etc., je la trouve vraiment pas longue, quoi. Mon copain l'a sur PC, il me dit de le faire, mais je viens tout juste de finir The Witcher, donc doucement. Eh ben voilà, t'as fini, tu peux reprendre, Sandra. Fonce, fonce. J'ai vu la vidéo d'un mec qui essaie de tout pour sauver le garde et il réussit. On va essayer de sauver le garde. On va essayer. C'est parti! J'aurais dû sauvegarder avant. Je vais sauvegarder maintenant. Viens, on s'en va. Viens! Je ne sais pas comment vous avez pu. Viens, on s'en va, je te dis, viens! Viens avec moi! Laissez-moi lui prendre la main! Non! Oh, ok. Par contre, il est magnifique, Odin. Fuis! Ah. Attendez, je le rattrape! Pas réussi. C'est ballot. Viens, petit bonhomme. Alors, on va se poser. Oh, j'ai oublié où était le... Ah, où est le levier? Viens, petit bonhomme. Bah vous êtes mal aimable. Viens là, viens te battre, viens. Ah, attends, je meurs. Pousse. La meule. Yeah. En feu. Alors, petit bonhomme, on a le seum. Need. Non, il veut aller au mid, rien à voir. Vous t'amène Godard, pris comme l'ours dans le piège. Il est trop beau, il est trop chouette. Par contre, il fait un écarté des guiboles. Hurle sur le garde pour qu'il rentre dans le fort. C'est vrai que j'aurais pu faire ça. Franchement, il a fait humain LV2, il s'en sort super bien, je trouve. Zubona, tu as traversé 1000 épreuves pour me placer dans cette position humiliante. J'avoue qu'il y a mieux comme posture, je suis désolé. Si, Alduin, tu souhaites sans doute savoir où se trouve Alduin. Oui. Renig Vaza, des mots appropriés. Alduin Bovul. Si j'ai répondu à votre appel, c'est pour mettre ton tourum à l'épreuve en personne. J'adore ça. Nombre d'entre nous ont commencé à remettre le règne d'Alduin en question, à se demander si son tourum était vraiment le plus puissant. C'est vraiment primitif, ils se mettent vraiment au service du plus fort, quoi. C'est tout. Nul n'était encore prêt à le défier ouvertement. Ah, même moi aussi, la bagarre. Unslad Krosis, innombrables excuses. Oh, il est bavard. Je m'égare. Il s'est rendu à Sovngarde pour retrouver sa force, dévorer les Silesior, les âmes des mortels défunts, un privilège qu'il garde jalousement. Son portail vers Sovngarde est à Skuldafen, l'un de ses anciens temples. Et on va y aller. Perché dans les montagnes de l'Est. On va y aller. Mindoran paok midoave lavrantil. Oui, exactement. Je n'ai pas besoin de te rappeler que tout ce qu'il reste de sa force y est concentré. Zulostofaninlan. Maintenant que j'ai répondu à tes questions,
Me laisseras-tu partir ? J'ai une mission pour toi. Qu'est-ce ? Il sourit. Ouais, un petit smile. Il a l'air content. Promettez-vous de me servir ? Homme ? Te servir ? Non. Nikit. J'ai tenté. Quand tu auras vaincu Alduin, si tu y parviens un jour, j'y réfléchirai peut-être. Crozis. Il reste un détail que j'ai omis de mentionner au sujet de... Oui, les prêtres dragons, c'est bon ça. Une chose très simple. Tu possèdes le tomb d'un Dova, mais sans ses ailes. Bien évidemment. Bien évidemment. Je pourrais t'y déposer. Elle doit y partir faire barbec. Pas si je suis emprisonné ainsi. On va juste aller déposer tout mon petit merdier. On met bien tous les équipements avec les gemmes, etc. Et let's go, on s'envole. Car quand on s'envole, la fête est plus folle. Je vais manger, je reviendrai tout à l'heure. Eh bien, un très bon appétit à toi, Sandra. Bon appétit, à tout à l'heure. Salut, Alicorne. Hop. Maman. Bien, elle est pas là. Elle s'est fait manger par un dragon, non? Ah, non, j'ai plus d'enfants. Ok. Nice. Alors, est-ce que j'ai des trucs à déposer par ici? Ça, ça... Ça, faut que je le range, ça sert à rien. Ici. Ça. Ça, on garde, hein. Ça ne pèse rien. On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Les pierres de Barenzi à sa soule, rien à déposer. Je me dépêche, je me dépêche. Ça c'est un truc de quête. Dag 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 dag. La pioche, je vais la déposer, j'en ai pas besoin. Vultrad, évidemment, avec moi toujours le bébou. Est-ce que je peux faire des popos de soins? Sinon je vais aller en acheter vitef. Parce que ça on va en avoir besoin. Hein. Je me souvenais pas que le garde mourait pendant la quête. Ah si si si. Le décès. Le décès, le décès. Sûrement dans la souffrance la plus totale aux mains des drogueurs. Et malheureusement, leur triste sort. Votre mission, si vous l'acceptez, est la suivante. Gardez le bâton de prêtre dragon unique de... Quoi, jouer avec du coup? Après, je peux le faire pendant le truc, ouais. Ouais, ouais, ouais. Prendre ça, je vais recharger. Hop. Vultrad, c'est bon de toute façon. Et mon équipement. Il n'y a pas besoin. Donc c'est bon. Là, il n'y a rien à faire. Pas jouer avec, mais le récupérer. Ah, dans ce cas-là, je sais pas du tout comment on le récupère, j'avoue. Pas du défenseur, ouais. De toute façon, je prendrai tous ces trucs-là. Ça, je laisse ici. Je laisse ici. J'ai vraiment plus beaucoup de potions de santé, hein. Il n'y a pas moyen d'en faire, je pense pas en plus. Non, je vais aller en acheter et on fonce. Petit feu des l'esprit, je l'ai vu tirer 4 fois au fusil à pompe et toucher à cible. Qu'est-ce qu'il raconte? Faut se mettre dans le trou pour ouvrir le portail.
À moins que tu sautes avant que le portail se ferme. Ouais, mais là, tu parles de skill, un truc que je n'ai pas, la key, enfin. Tu as vu les let's play. Tu as bien vu que je ne possédais pas le skill. Bon, est-ce qu'il y en a à Blanche Rive des petites popos de soins? À mon avis, oui. On a quand même deux trucs qui... Oui, bien sûr, c'est la nuit. Avec ce Gunda qui passe. Allez, on ouvre. Hop, 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 j'ai pas le temps, moi. Il y a un dragon qui est pris au piège là-haut. Il faut que j'y aille. L'épicerie. J'ai quelque chose pour à peu près tout le monde ici. Faites... Des potions, t'en as ? Regardez donc. Intense. Allez, on prend. Revenez donc. Ouais, ouais, je reviendrai. Je reviendrai, pas de soucis. Pas de soucis, pas de soucis. Sinon, on mangera toutes les meules de fromage. Prenez votre temps. Vous trouverez ce que vous cherchez, ça ne fait aucun doute. Vous avez l'air pâle. Ah, c'est impossible que j'ai l'air pâle. Vous êtes donc alchimiste ? C'est impossible. Je suis un loup-garou. S'il vous faut un remède, revenez quand vous voulez. Il n'y a pas des potions qui étaient à disposition qu'on pouvait prendre sans voler? Non, c'est peut-être juste les... Excusez-moi, mais ne serait-ce pas un cas d'atonie? Non, non, j'ai rien. Attendez du tout, arrête de faire semblant. J'avais fait un truc pas très légitime, dupliquer le bâton sur le corps de la liche, mais vu que c'est un objet de quête, il reste dans mon inventaire. Ouais, ça c'est... En plus, ils sont lourds ces objets-là, c'est ça qui est chiant. Bon, en vrai, est-ce que j'ai pas assez? J'ai envie de dire non. Mais j'ai plein de popos, donc... Ah, ça le fera, ça le fera. Ça le fera, ça le fera. Passez-vous souvent dans le... Oh, on s'en fout, Nazim, tais-toi. Personne t'aime. Talos, sois avec moi. Sois avec moi, Talos. Sois avec moi. Je vais avoir besoin de toi, là. Va manger tes morts, Nazi. Ah oui, mais non, mais Nazim, c'est un pet de cul, c'est un pet de cul. Il mérite. Fandragon est bien mis. J'ai mon arbalète. Oui, oui, c'est moi. I trap the dragon. I trap the dragon. Prêtre grand, on va monter sur l'escalier pour attraper le staff. Du coup, le portail se ferme. Tu fight normal, tu récupères le staff et tu l'utilises comme une clé. Tu le perds pour toujours. Tu mets le prêtre à HP. De me laisser effectuer quelques tests sur vous. Je vais essayer la key, mais en vrai, un peu compliqué. Disparais, mage. Ne mets pas à l'épreuve la promesse que j'ai faite aux Dovahkiin. Vous ne remarquerez même pas ma présence, c'est juré. La plupart d'entre eux sont indolores, surtout pour un dragon de votre envergure. C'est une très mauvaise idée, Farangar. Même pour vous. Qu'est-ce qu'il fait, ce fou? Vous n'êtes pas à quelques écailles près, ni même quelques gouttes de sang. Jaume, que fais-tu là? Bah là on s'enfuit, Farangar, on a eu peur. Un tic qui passe derrière un animal avec les pattes écartées, c'est pas un peu chelou? Si. As-tu réfléchi à mon offre? Un peu trop près. Nikankron. En plus on dirait que ses narines c'est des yeux. Me rendras-tu ma liberté, Rolan, si en retour je promets de t'amener à Skuldafen et de cesser de soutenir Alduin? Oui, oui. Onikan Gorav Genmir. Et tu peux me faire confiance. Zouni Tarodis. Alduin a démontré l'illégitimité de son règne. Je suis seul maître de mon destin maintenant. Libère-moi. Oh, et je te porterai jusqu'à Skuldafen. Ça va, Balgruf, pas trop. Ton Blanche Rive va vous payer à boire pour ça. Ok. Bah, avec plaisir. Ah,
Est-ce que tu peux libérer le dragon, s'il te plaît, Harold? On pourra raconter ça à nos petits-enfants, pas vrai? Mais c'est vrai, ça. Ouvre le piège. C'est bien sûr. Vous voulez vraiment libérer ce dragon, après tout ce qu'il a fallu faire pour l'enfermer? Je sais, tu nous en veux toujours pour Bernard. Mais bon, c'est la vie. C'est votre peau, après tout. Mais quelqu'un va devoir vous aider à le remettre là-dedans. Non, mais il n'y a personne qui va le remettre là-dedans. Je monte dessus. C'est une très mauvaise idée, je trouve. Continuez, soldat. Tout ça fait partie du plan de l'enfant de dragon. Malgruff le sang. Tu es prêt à m'emmener? Tous les dieux. Passe-nous. J'ai l'idée d'une route et un spawn. Attention, manœuvre de dragon, manœuvre de... attention, tu... Oui. Et il m'attend. Il m'attend, t'y perds. Oh, ça va être la séquence trop classe, là, de Skyrim. Zaranus, j'attends ton ordre, comme promis. L'heure est-elle venue pour toi de découvrir le monde comme seuls les Dova en sont capables? Oh oui, emmène-moi. Zogbrutos. Mais laisse-moi te prévenir. Quand tu auras parcouru les cieux de Kézal, tu jalouseras les Doves encore davantage. Oh mais j'imagine. Hamativ, Mubo Kotin Stinselop. Yahoo! Vous êtes soit la personne la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée, soit la plus bête. Salut tout le monde. Je me casse. Je ne peux te porter plus loin. Bah, mais t'as pas fini. T'avais pas fini me. Bah oui, mais non. Hein? Bah vous restez? Ah non, vous partez. Ah, moi j'ai peur. Non? Bon. Ok. Y a pas de soucis. On va faire avec, hein. Autant courageuse que bête. C'est pas fou. Lors de la chevauchée du dragon, si vous faites haut, bas, croix, rond, 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 droite, gauche, haut, bas, pendant la cinématique, vous pouvez... Ouais, il y a plusieurs dragons à Zerial. Alors, qui me voit? Arrête, je te touche. Ah oui. Oh. Ah oui. Oh. Oh, dans le dos. Oh, la colonne vertébrale. Oh, la colonne. Bah alors, on a perdu son... Ouais. Peut-être apprendre à finir mes phrases, moi, au bout d'un moment, non? J'ai pas touché! Ni! Il a esquivé! Ni! Je l'ai touché! Ah. Je touche plus. Il me regarde. Où est-ce qu'il descend, les escaliers? Le petit bonhomme, là. Vas-y, viens. Fais le tour. Ah bah vous êtes nombreuses. Ah, j'ai touché quelqu'un. Je vous vois plus. Oh bah alors... Ah non, ah vous me voyez... Ah vous me voyez bien par contre. Oui, ah bah oui, c'est la petite. Non, c'est dommage. C'est dommage parce que là tu m'as niqué ma discrétion. Alors que j'étais bien. Oh j'étais bien. Bon arrête, doux. D'où je ne le touche pas.
Mes carreaux! Arrêtez, je vous touche là, je sens le souffle du carreau. Vous caressez la nuque. Ah. Ah. Ah non. Ah. Ah bah alors on est mort. Alors, petit bonhomme, t'es où? Il est où le dernier des cornflakes, là? Ah, il est là-bas. Ah, je coule. Non, pas comme ça. Pas comme ça, ma petite dame. Oh, bah voilà. On est bing. Maintenant que les jeunes dépensent 100 euros depuis la carte des dents pour acheter un logiciel... J'ai loupé, du coup. J'étais concentrée. Prends ta hache à deux mains et tue-les avec tes couilles. Mais c'est ça que j'ai oublié dans mes coffres, mes couilles. La pré-rentrée était si longue. Ah ouais, 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 j'imagine. Enfin, tu nous raconteras. Tu nous feras un voc de 5 minutes sur comment ça s'est passé. Et je l'attends, ce voc. Je le veux. Ah bah, vous étiez pas là avant, arrêtez de mentir. Hein. Sinon, je l'aurais vu, moi. Bah alors, on a le seum ? Allez, va te poser. Oui, oui, Alduin Sarabi, oui. Sarabi, c'était un lion. Viens te battre, dragon doré. Prends ça. Tais-toi. Et c'est non! Je l'avais pas vu. Non, il était peut-être là. J'ai peut-être menti. Donne. Mais peut te faire. Nulos. Non, terminez l'évoque de sa vie, vite! Je vous casse la nuque, c'est avec mes carreaux d'arbalète. Je ne veux pas tes caresses, du coup. Mais tu veux pas? Un petit. Comme ça, avec les petits carreaux, là. Non? C'est ma douceur. L'âme de dragon. Au moins, toi, tu n'es pas allé dans une école qui n'avait pas besoin de toi. Aïe, aïe, aïe. Et effectivement. En avant-première, il y avait une nouvelle AESH qui, en se présentant, nous a vendu ses services d'hypnose. Oh non. Oh non. Apollyon, une réaction. Ça me donne envie de jouer à Skyrim. Mais fonce. Mais foncez, jouez à Skyrim. Mais enfin. Attendez, je vais faire une petite sauvegarde. De chevaucher des dragons, là. Tant que c'est pas comme l'âne dans Shrek. Ça va. Est-ce qu'il y aurait pas un petit trésor dans ce lac, en vrai? Non. Ne me dis pas qu'il n'y a pas de coffre. Ah non, je suis déçue. Ah non! Compteur de référence à Klein. Oh non! Une carpe du East. Aka, un poisson nul. Bonjour. Ah, ça, la cascade est plus grande. C'est trop bien de pouvoir voler sur le dos des grands. Oui, ça c'est super. Bah, de toute façon, avec Solstheim, on pourra le faire. Enfin, vite fait. C'était un peu décevant ce qu'ils nous ont vendu et ce qu'on a eu. Je finis mon truc et je lance Skyrim après. Réaction, on peut pas avoir que des collègues extraordinaires, il y a aussi des abrutis. Pourquoi avec Solstheim? Tu as un cri où tu peux monter sur un dragon asservissement, je crois. Mais tu peux pas le contrôler, quoi. Tu peux faire un petit rond avec et tu vois les hauteurs. De toute façon, je vous montrerai, on ira à plusieurs temples dans Bord de Ciel. C'est hyper joli de voir ça de haut, quoi.
bon, c'est là où ça va commencer à sentir le caca. Le caca, voilà. Bon, ça va, il tombait déjà. Tais-toi! Non, tu cries pas! C'est mal poli. C'est pas bien de faire ça. Pas bien. Pas bien. Ensuite! Qui? Je vous prends tous un par un. Ah bon? Viens! D'où tu me cries dessus? D'où tu me cries dessus? T'es qui? T'es ma mère? Je pense pas, non. Ya! Ah! Tu m'as étourdi. Attendez, j'arrive! Si je vous trouve... J'arrive! Ah, j'arrive pas, y'a un coffre. Ouais. Oh, la petite potion. Oh, la petite potion de soin profus. Ah, moi aussi, je fais du feu. Alors, t'es qui? Est-ce que ce serait pas le moment d'invoquer notre petit camarade de jeu? Vous êtes parti? Je vous ai pas vu. Et bah, je l'ai invoqué? Ah oui. Il est parti. Mais il a trouvé où monter, lui? Parce que moi, je suis là, je suis... Bah, oula, oui. Oh, le pauvre. Il est où, l'escalier, frangin? Je suis démuni. J'arrive! Mais vous êtes où? Ah bah oui, mais vous êtes descendu de où? Parce que moi, j'aimerais bien savoir. Arrête de crier! Oh, c'est insupportable! Oh, il va... Oula! Ça va, toi? Le poisson trépied est un peu nul. On va boire. Hein. On va boire. On va mettre du poison. On va se faire un petit renfort de santé, là. Miam, miam. On en a d'autres, on en a d'autres. Vas-y, mon petit coquin. On va les vanités raffinées. Ok. J'ai hésité. Plus du bec, c'est vrai. Tu l'as accepté la mission, s'il te plaît. Derrière Coussin, je l'ai pas vu, j'ai pas vu. Je vais essayer la mission, mais c'est pas lui. Enfin, on n'y est pas encore au prêtre dragon, là. Là, il y a... Attends, non, arrêtez de crier. Non, on ne résout pas ces problèmes comme ça. Vous êtes nuls. Arrête de crier, je t'ai dit. Oh non. Aïe aïe aïe, mais on s'entend plus. Vous êtes où? Eh bien, il y a une explication parfaitement logique. En fait... Il y a trop de bordel, je suis perdue. Oh, un attrait avec deux feux. J'ai pas assez, si? Ouais, bah non. Oh, comme une du loup, quoi. Non, je peux rien faire. Je ne peux... rien faire. Et je ne trouve pas cet escalier. Salut Miflu. Comment ça va? C'était un prank. Et ça a fonctionné. Ah, ah. Non. Attendez. Je réfléchis. Oh, je suis morte comme ça. Oh, mazette. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. On n'a pas trop perdu, on n'a pas trop perdu. On va s'en sortir. Pourquoi il y a un gars qui a dit qu'il y a l'explication au début? C'est le Guillaume. Tu vas devoir save souvent. Plus de potions en tout cas. Oh non. Bannir une action en jeu. Oh non! Mm-hmm.
Ça va aller. Ok, ok. Je fonce, je fonce. Tu viens te battre? T'as dans ton pipou. Bon, toi ça va. Tu te chutes. Là, chut, détends-toi. Voilà, donc lui il va crier. Il va me crier dessus. Ah, il va pas me crier dessus. Je suis caché. Faudrait que j'essaie de la voir de loin. De loin. Est-ce que c'est bleu si beau? Enfin, faut que je les prenne un par un, quoi. Pas 14 par 14 comme j'ai fait juste avant, là. Ah, il me déstabilise. Le coquin. Oh, le coquin. C'est 5 minutes, bannir une action en jeu, Kaito. C'est vous qui m'avez fait du mal? C'est lui. Ah, il a bougé. Il a bougé. Donc il va revenir là. Viens là. Viens te battre. Viens te battre à la déloyale. Ou moi je reste en bas et toi tu restes en haut. Ah mais tu pues du bec! Non, il s'en va. Arrête de bouger! Arrête de valser! Il valse, il valse. Il valse! Ah, l'esquive de la loutre! Mais arrêtez, monsieur, enfin! Mais ça se fait pas, monsieur! Arrêtez de bouger! Laissez-vous faire! Oh non! C'est une ballerine. Oh. Mais tu ça suffit? Trop loin, ça le touche pas. C'est pas drôle, elle peut pas prendre de popo, du coup elle snipe. Ah bah oui, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que vous croyez, mon bon monsieur? Je m'adapte. On va la voir. On va la voir. De toute façon, je pense que je vais les prendre un par un pour pas me laisser submerger. C'est vrai que j'aurais pu me prendre un compagnon pour... Mais bon. C'est triché. Non, arrête de bouger! T'as plus d'une corde à ton arbalète, coussin! Effectivement, beau jeu de mots. Oh, je vous ai touché. Ah, il s'écroule. Oh, le loser. Noob. Et demain, on sauvegarde. On va s'en sortir. Ça, c'en est un là-bas, non? Oui. Il est infernal celui-là. Infernal. Parce que je veux nettoyer la zone avant... avant de partir. Sinon quand je vais sortir, je vais encore prendre plein la figure. Maman elle va me niquer. Alors, vous êtes... Allez, viens avec moi, mon petit sucre. Mon petit bonhomme, là. Je sauvegarde, je sauvegarde. Ah, le ralenti, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Je suis la discrétion. La musique est beaucoup trop douce pour ce qui est en train de se passer.
Bon, par contre, il est où ce foutu escalier là que je ne trouve pas depuis tout à l'heure? Vous avez entendu l'histoire de Il m'a fait trop peur, j'avais oublié déjà. La grande traîtrise de Chedinal. Tuer sa mère. Ouais. Et le fils brûlera Qui de se venger. Ah, c'est vous d'avant là. Moi aussi je peux tirer. Hein. Il continue à viser. Hein. Oh, tu triches! Il triche, il triche! C'est un tricheur qui triche. Moi aussi, je suis une tricheuse qui triche. Attends, il y a trois Rodas. Viens te battre si t'es un drogueur. Ah, non, attendez. Arrêtez de bouger. Du coup, les PNJ sont là. Oh mais comment ça, on descend pas? Ah, il va trouver un moyen de nous rejoindre. Ah bah il arrive. Ah, il va crier. Ah, tu peux pas me toucher. Oula. Oh oui, l'archerie. Oh oui. Et tu vas tomber là, bébou. Ah, vous êtes où, monsieur? Vous êtes caché? Vous faites le tour? J'ai peur qu'il y en ait un qui arrive là par derrière. Mais ça a l'air d'aller. Ah non, ils viennent me chercher là. Ah non, ils viennent pas me chercher. C'est un peu long, mais ça vaut le coup. Ça chiez-le. Oh non, il va trop vite. Il ne me voit plus? Comment ça, il me voit plus? Et c'est eux qui fuient. C'est eux la fuite. Ah. Ah. Ah non, mon carreau. Ah. Hop, on continue à augmenter. La discrétion en bougeant. Hop là. Oui. Oui. Où êtes-vous? Bon allez, vitrade. À mon avis, après, on va taper à la hache. Ah la hache! Bon, ça change pas. Zéro feu n'a regardé s'ennuyer comme gameplay, bah des os! J'ai pas envie de mourir non plus! C'est pas le but! Le but c'est de tout nettoyer. Et moi j'ai toujours adoré le gameplay à l'arbalète. J'ai surtout que j'ai envie de prendre la manette et de foncer dans le tas parce que je suis un gigabouin sur ER. Ah bah oui, non mais c'est clairement. Mais le truc c'est que là, les drogueurs infernaux, ils font beaucoup de mal. J'ai pas envie de passer mon temps à mourir. Donc je calcule bien les coups. Ah, les drogueurs infernaux, les seigneurs drogueurs. Oh là là, vous êtes 45 000. C'est trop, vous êtes trop. Oh,
je vais mourir. Non, je fuis. Aïe, aïe, aïe. Oh, elle est pas bien, la dame. Elle est pas bien, elle est pas bien. Ah, c'est chiant de claquer les bonnes popos. Aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. On va s'en sortir. Mais vous sortez d'où, vous? Crie pas. J'ai pas besoin de crier, toi non plus. Ah, qui encore? La bagarre. 71 de dégâts? Mais... Ah oui, Vutrat fait 80, je crois. Tu m'étonnes que je prends tarif. Il est où le dernier de la bagarre? Diamétiste, nul. Diamétiste parfaite, mieux. Monsieur, vous êtes? Où vous trouvais-je? Mais il y a encore un dragon à affronter. Ah, mais il vient de battre en haut. Non. Crie pas. Ah! On s'en est enfin sorti! Comment ça, il y a des ennemis à proximité? Mais non! J'ai fini! C'est pas juste! Comment je vous atteins, vous, en plus? Non, attendez. Attendez, on pousse. L'assassin est parti en balade. Ah non, il est décédé. Getsuga Tencho! Mais j'ai que ça comme arme, Kirito. Je n'ai que Vutrad, la sainte Vutrad. Alors, sauvegarde rapide et on y retourne. Là, on peut pas. On peut difficilement passer par là. Là, c'est bon. Vous avez? Oh. La merde. Et là, il y a encore un dragon ou... Ou quoi? Une tour, un coffre, une petite potion. Oh, une autre potion, ça fait plaisir. On peut passer là ou... Je crois pas. Non. Passer que de là-haut. Donc ça va être de l'autre côté. Putain, on est même pas encore à l'intérieur, quoi. Non, on peut pas aller là-haut. Il y a forcément un moyen d'aller là-haut. Forcément. Que j'ai là-bas à faire aussi. Je sais plus, c'est tellement grand. Je sais même plus c'est quoi, c'est toutes ces petites zones. Je sais plus si c'est des donjons, si ça se relie, je pense pas. Moi, je vais aller là-bas d'abord. De toute façon, ça va être grand à explorer. Hein. Ah, je les vois, les coquins.
Je les vois les coquins. Ah, là le petit coffre, on a failli le louper. C'est vrai que d'habitude je ne prends pas mon temps à arriver à cette zone là quand je suis toute seule, je cours et je crie, voilà. Et je rentre dans les bâtiments. Il y a un mec qui se transforme en SSJ3 dans le fond là. Ouais ouais. Bon tu connais hein, tu connais hein. Va au marqueur de quête. Bah après, on ira après Kirito. D'abord, on fait les autres. J'aime bien tout explorer à fond. Là, c'est que des tours. Donc tout ce qu'on va looter, on va juste looter en fait. On va juste looter. Bon, je vous aide peut-être un peu trop. Un peu trop à mon goût. Arrêtez, arrêtez, je suis seule et vous êtes 36. Genre son pote ça le surprend pas. Et tout... On discute pas avec toi. Parce qu'on s'est évité tous les deux. En même temps, mon petit bonhomme. En même temps. Je vais te prendre ta vigueur, tu vas voir. Tu vas voir ce que ça va te faire. Coquin de printemps, voilà. Ah, mais vous êtes deux! Tu n'avais point. Oula! Calme-toi la manette. Je sais que t'es stressé, moi aussi. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Je vais plus avoir de potions. Ah. Ouah, tout juste. De toute façon, c'est dans les tours comme ça, j'espère que c'est là où je vais... Il met juste des coups de poing, là. Tu n'as pas d'arme, ton petit père? Ah! Aïe! Best transfo pour moi après le SSJ2 de Gohan. Je t'avoue que là j'ai plus en tête les transformations. J'ai pas beaucoup vu. Hein. C'était pas mon truc moi à la base. La bagarre. Bonjour. Y a quelqu'un? Après il y avait du monde hein, donc bon. C'est du soin que je voudrais, mais... On peut pas tout avoir, on peut pas tout avoir. Bah du coup c'est bon, hein, parce qu'ils étaient... ils étaient là. Ah, pas de potion de soin. C'est bien dommage. On parle entre vrais là, t'inquiète. Entre vrais. Non, pas de petit coffre caché sur les côtés... Si je saute, je décède. Non, ça va. Il y avait une petite pente. Bon, après, celle d'en face. Celle d'en face. Et après, on s'attaquera à Skuldafen. Mais il était là. Il était là, notre pauvre petit vieux. Il était là. Alors, il s'est passé tellement de trucs que je l'ai pas vu passer leur ennemi, là. En même temps, c'est ça, hein, quand il y a des grosses cinématiques et tout, on est tellement pris dedans que... Puis après, ça va être Skuldafen. Oh, elle est nulle. Oh,
Oh, toujours s'énerver comme ça. Alors que tu pourrais juste brûler, dans le calme. Dans le calme et l'indifférence. Comment ça, Daddy, quelque chose? Oula, et dis donc. Oh mais pitié, j'ai plus de soins. Oh, j'espère qu'il y aura des potions de soins. Non, vous avez rien sur vous en plus. Bande de nuls. Là, tout est écroulé. Et dans ce coffre-là, il y a... Ah, flèche d'os, flèche de feu, flèche de foudre, flèche de vol, là. Ok. Pas de soin. Ça commence à manquer, là. Ça va devenir très compliqué, cette histoire. Ça va devenir très, très compliqué. Mais enfin. Bon, je pensais que c'était bouché de l'autre côté. Ah! Du soin? Un d'or! Un septime, t'es sérieux? Non, mais c'est abusé là, un septime. Oh là, doucement. Oh là, là, doucement. Voilà. Pourquoi il fait toujours nuit dans ce jeu? C'est fou! La nuit. Même si c'est beau aussi la nuit. Hein. Et sur ce les amis, j'espère que l'épisode vous aura plu. Et donc il s'est passé beaucoup de trucs là, mais c'est normal, c'est le retour à la quête principale, surtout que là ça devient de plus en plus épique. Du coup au prochain épisode on se fait tout le temple de Skullfald, pardon. Et puis voilà, et comme d'habitude, les épisodes sur YouTube, c'est tous les lundis, un épisode à 14h, un épisode à 16h, et sinon sur Twitch, le live, c'est le vendredi soir de 20h à 23h. Merci beaucoup d'avoir cliqué sur la vidéo, je vous fais des gros bisous, et à la prochaine YouTube, salut. Le fromage est son remède, ou ça n'a pas peur, elle joue à Skyrim, c'est sa passion, son bonheur, elle est une warrior, elle peut la